Ancien policier Sébastien Jalamion est notre invité. Après avoir publié « À mort le flic », il revient avec « Flic, le plus beau métier du monde » aux éditions Riposte Laïque et en vente tout de suite sur le site tvl.fr dans la rubrique boutique, boutique tvl.fr. Sébastien Jalamion, bonjour. Bonjour Martial et merci de m'avoir invité. Ben oui, vous étiez venu à TV Liberté, j'ai regardé ça pour « À mort le flic », votre premier ouvrage. Il y a 7 ans. Déjà. 7 ans plus tard, entre la police tue et la police nous protège, entre les violences policières et le soutien indéfectible aux forces de l'ordre, bien à travers le titre que vous avez choisi, je crois que votre choix est fait. Oui, assez clairement. Et tout d'abord, je voudrais remercier Robert Paturel qui a été l'auteur d'une préface de ce livre et ainsi que mon avocat et ami Gabriel Versini qui a bien voulu signer une postface. Et je tenais effectivement à dire que ce n'est pas parce que je ne suis plus policier que je n'ai pas un très fort sentiment d'appartenance par rapport à cette profession que j'ai exercée pendant 20 ans. Et je suis très sensible à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire à ces manifestations hostiles à la police qui se sont déroulées en France et contre lesquelles je m'insurge tout en comprenant qu'il puisse y avoir une partie de la population, sans doute un peu, je dirais, orientée par leur idéologie, qui ont une vision négative de la police. J'ai entendu certains slogans dire que c'est la milice à Macron ou ce genre de choses, ce qui est complètement aberrant quand on sait que la police nationale, avant tout, est un service public, c'est-à-dire que c'est la police de tout le monde. C'est une évidence et tout le monde peut en avoir besoin à un moment ou à un autre dans sa vie. Et j'ai tenu à le rappeler en expliquant un petit peu à travers mon parcours toutes les manières dont on peut se rendre utile. On va parler de votre parcours, mais cette position est quand même d'autant plus courageuse, surprenante. Hein. Je choisirais le terme que dans « À mort le flic », vous racontiez vos déboires avec l'administration policière. Il y a bientôt 10 ans, vous avez été radié de la police pour délit d'opinion. Et puis avec un petit coup monté aussi. Oui, donc ça s'est fait en plusieurs temps et je l'ai raconté donc dans ce livre dont vous parlez qui s'appelle « À mort le flic », hein, qui est au même éditeur, Riposte Laïque, et dans lequel je raconte la chronologie de cette mise à mort sociale, mais qui n'est pas du fait de l'administration dans son ensemble, qui est le fait de certains acteurs de cette administration, d'une certaine hiérarchie qui, effectivement, encore aujourd'hui, hélas, est tout à fait capable de broyer une carrière et de s'en prendre à un fonctionnaire. Et rien de plus facile, vous savez, de sanctionner, de diaboliser un fonctionnaire quel qu'il soit, dans la police en particulier. Et je pense que ça contribue d'un certain malaise que ressent la profession. Vous savez, nous en sommes quand même à 21 suicides depuis le début de l'année. Et je crois que ce problème n'est pas pris à bras-le-corps et qu'il faudrait revoir un petit peu, je pense, à minima, le management dans cette profession qui n'est pas tout à fait comme les autres et qui nécessite d'avoir un mental d'acier. Radié, on va dire même un peu persécuté pour avoir dénoncé en fait l'islamisme. On est en 2023, c'est tellement d'actualité qu'on se dit ce que vous disiez à l'époque était anodin. Oui, alors en fait, j'ai réagi à l'enlèvement et à la décapitation du Français Hervé Gourdel en Algérie par un groupe islamiste qui avait donc, par cette exécution, prêté allégeance à Daesh, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et j'avais tiré le signal d'alarme en expliquant qu'il y avait une véritable menace sur notre territoire, une menace qui était non seulement, comment dire, connue, puisque nos services de renseignement l'avaient identifiée, mais qui était minimisé déjà par les autorités qui, nous le savons, c'est parfaitement documenté aujourd'hui, auraient pu prendre des mesures pour éviter un certain nombre d'attentats, dont le Bataclan, puisque nous savons que les services de renseignement syriens avaient communiqué la liste, proposé de communiquer la liste d'un certain nombre de djihadistes qui étaient prêts à frapper la France, parmi lesquels figuraient les terroristes du Bataclan, et que Manuel Valls avait refusé de collaborer avec les services de renseignement syriens. Alors, tout au long de l'ouvrage, vous montrez du doigt quand même cette administration, vous dites une partie de l'administration, mais l'administration policière, vous dites même à un moment donné, une administration, je note les termes sourde et aveugle. Et Robert Paturel, donc, qui a fait la préface, qui est instructeur champion de France, de boxe française, et ancien du RAID, dit le gorille, parle lui, dans la préface de l'ouvrage, lui aussi, d'une hiérarchie pesante et bornée. Oui, alors... Là, il s'agit d'une hiérarchie, non pas de la hiérarchie, je tiens à faire le distinguo, parce qu'encore une fois, ce serait complètement caricatural. Mais effectivement, il existe au sein de la police nationale, probablement dans d'autres administrations, mais je vais parler de ce que je connais le mieux, une certaine hiérarchie qui, par carriérisme, va s'aligner sur des positions politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de ce que doit être la mission de la police nationale dans le cadre de son service public.
qui consiste, je le rappelle quand même, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, à assurer la sécurité publique. Il y a un volet administratif, qui est par exemple tout ce qui a trait au maintien de l'ordre, etc., et qui est sous l'autorité directe du préfet. Et il y a un volet judiciaire qui, lui, par contre, est sous l'autorité du procureur général, et qui consiste un petit peu à faire toutes les enquêtes possibles et inimaginables, que ce soit des affaires qui sortent un peu du commun, ou que ce soit les affaires, je dirais, le tout venant, les enquêtes de routine suite à un cambriolage, une agression, que sais-je encore. Et donc, par conséquent, il faut bien distinguer les deux. Sur le volet administratif, et là, je voudrais rebondir par rapport au maintien de l'ordre, à la répression, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes, que peu de gens comprennent par son caractère pour le moins excessif. J'ai été l'un des premiers à être surpris par la réponse policière, la réponse répressive. – C'est là qu'est née la notion de violence policière. Elle était née aussi à la Manif pour tous, cette notion-là, à ce moment-là, est difficile. – Un excès de zèle d'une certaine hiérarchie peut expliquer comment des policiers sur le terrain peuvent s'en prendre à des manifestants jusqu'à la mutilation. Car nous avons quand même eu un certain nombre de personnes qui ont perdu qui un œil, qui ont été sérieusement blessées. Ça a suscité une vague d'indignation dans la communauté internationale. On n'en parle pas assez, mais enfin jamais la France n'a connu une telle répression policière sous la Ve République. Donc cette nouvelle doctrine de maintien de l'ordre a été décidée par les politiques. Elle a été certes exécutée par des policiers, dont certains peuvent dire « mais attendez, vous avez la politique des baïonnettes intelligentes qui aurait pu vous réfréner ». Alors d'une part, je connais des policiers qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. D'autre part, j'en connais qui se sont fait porter pâle plutôt que de participer à l'encadrement de ces manifestations. Et enfin, je voudrais dire, pour ceux qui ont fait un peu de zèle, malheureusement, effectivement, il y a chez nous, dans nos rangs, des policiers qui peuvent déraper, c'est pas nouveau, c'est pas sous Macron que c'est apparu, ça a toujours existé. Mais je voudrais quand même rappeler par rapport à la politique des baïonnettes intelligentes, qu'aujourd'hui elle a été tuée dans l'œuf par le fait que même lorsqu'un fonctionnaire, alors qu'est-ce que la politique des baïonnettes intelligentes, hein, c'est lorsqu'on refuse d'obéir à un ordre manifestement illégal. Aujourd'hui les policiers peuvent refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal. Mais ils engagent tout de même ils engagent tout de même une procédure, ils encourent une procédure disciplinaire. Donc ils engagent leur responsabilité disciplinaire tout en refusant un ordre illégal. Donc on peut quand même les sanctionner, ce qui fait que, bah, autant dire que la politique des baïonnettes intelligentes n'existe plus dans la police nationale. – Si je comprends bien Sébastien Jalagnon, vous dites oui, il y a une police, celle qui maintient l'ordre, que l'on peut, comment dire, qu'on peut avoir une forme de ressentiment à son égard, mais ça ne cache pas la réalité de l'ensemble de la police, qui n'est pas que seulement le maintien de l'ordre des manifestations. – Non, bien entendu. Bien entendu, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un service public fort utile qui, en fait, est exercé par des fonctionnaires courageux quand même, parce que il faut comprendre, et je pense qu'à travers la lecture de mon livre, les gens vont découvrir un petit peu l'arrière-plan de ce métier, qui est paradoxalement assez médiatisé par rapport à un certain nombre d'émissions qui suivent les policiers de terrain, H24, etc. Et puis, la méconnaissance, en fait, du public, du grand public, sur un certain nombre, je dirais qu'il y a un côté sombre que je dévoile un petit peu, notamment vis-à-vis d'une certaine hiérarchie, mais pas seulement, aussi de certains collègues, par rapport à certains magistrats, dont le laxisme est purement hallucinant. Donc les policiers, pour ne pas se décourager, ne doivent pas regarder les suites judiciaires concernant les interpellations qu'ils font, sans quoi ils ne feraient plus rien. Et j'en veux, pour exemple, un cas d'école, il y a quelques jours, le 14 octobre, à Argenteuil, un individu a été interpellé par le service de sécurité de l'hôpital, service gériatrie, après avoir violé deux nonagénaires, dont une est décédée quelques heures plus tard. Il a été placé sous le régime de la garde à vue, il a reconnu les faits, il est déjà connu pour des infractions à caractère sexuel. Le parquet de Pontoise a requis son placement en détention provisoire, et le juge des libertés et de la détention a décidé de le relâcher dans l'attente de son procès. C'est-à-dire que la dangerosité de cet individu, qui paraît évidente au commun des mortels, n'a pas été prise en compte par un magistrat, qui d'ailleurs ne connaît pas le fond du dossier, mais se prononce uniquement sur la détention, qui l'a relâché et qui donc met en danger la population, car cet homme dangereux est susceptible de passer à l'acte tant qu'il n'a pas été privé de sa liberté.
On revient à Flic, le plus beau métier du monde, mais on va revenir à votre métier à vous. C'est-à-dire, l'ouvrage, c'est aussi, il ne faudrait pas qu'on passe à côté une sorte de biographie. Et tout d'abord, vous racontez votre enfance. Ben, vous dites que c'est une enfance compliquée, on le voit d'ailleurs, une enfance compliquée qui aurait pu vous orienter vers la délinquance. Ça n'a pas été le cas. C'est dû à quoi? Peut-être au mot détermination? Je pense que c'est plus lié à une certaine éducation. Je voudrais remercier mon grand-père qui m'a élevé durant une partie de mon enfance et qui m'a inculqué un certain nombre de valeurs qui m'ont suivi tout au long de ma vie et qui me suivent encore aujourd'hui et qui m'ont permis de faire les bons choix quand je me suis retrouvé confronté effectivement à certaines situations où j'aurais pu basculer dans la délinquance comme certains jeunes que je côtoyais à l'époque. Mais encore une fois, je dirais que ça apporte un peu une contradiction à ceux qui associent enfance difficile ou pauvreté à délinquance. C'est pas du tout systématique et c'est vraiment, et je le réitère, un problème d'éducation. Il n'y a pas de déterminisme. Vous êtes une relation de vos années d'expérience, et même s'il convient de rappeler qu'être policier, c'est pas pour vous, vous le dites, hein, une vocation au cours de vos études. Vous vous écriez, études de droit, hein, oui, absolument. Vous vous écriez policier et pourquoi pas. On a connu de plus grands engouements, honnêtement. Effectivement, je n'avais pas du tout l'intention, lorsque j'ai commencé mes études de droit, de devenir policier ou autre. D'ailleurs, j'étais un petit peu dans l'expectative concernant le métier que j'allais faire. Et ce métier est arrivé à moi un peu par hasard. Je le raconte d'ailleurs à l'occasion d'un concours de plaidoirie auquel je participais à l'Université Lyon 3. Des camarades sont venus me voir en évoquant le fait qu'ils allaient passer le concours de la police nationale. J'ai commencé à m'intéresser à ce métier à ce moment-là. Étant étudiant, j'ai devancé mon appel. Le service militaire était obligatoire à l'époque. J'ai fait mon service national dans la police et c'est là que j'ai décidé de faire ce métier. J'ai senti tout de suite que c'était un métier qui était fait pour moi. Alors, on découvre votre carrière. Elle vous permet de découvrir surtout de multiples facettes ou métiers au sein de la police, comme les unités de nuit, les nuiteux, hein, si j'ai bien retenu le terme, et puis, ou la BAC. Oui. J'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, quelle est la meilleure place, si j'ose dire, pas la plus intéressante? Ni l'une ni l'autre. Je dirais, la police nationale a l'un des avantages de proposer plusieurs métiers. Donc c'est pour ça que j'encourage les jeunes qui voudraient choisir d'embrasser cette profession, cette carrière. Il y a vraiment plusieurs possibilités d'évolution au sein de ce métier. Les unités de nuit dont vous parlez, c'était donc en unité de roulement en Seine-Saint-Denis, où effectivement j'ai commencé à faire un petit peu, je dirais, de lutte anti-criminalité, puisque la délinquance de nuit est assez importante dans ce département. Et même en tenue, je le raconte d'ailleurs très bien, on faisait des interpellations en flagrant délit. Et ça m'a déterminé ensuite à choisir la BAC. Et là, effectivement, donc, nous sommes un peu plus spécialisés dans les interpellations. Et je dirais que dans un cas comme dans l'autre, il y a quand même un esprit. Alors, ça peut paraître un peu caricatural. Peut-être que les gens qui sont extérieurs à ce métier ne pourraient pas tout à fait comprendre ce que je veux dire, mais il y a quand même un côté chasseur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine adrénaline que ressentent tous les policiers intervenant sur un flagrant délit, qui fait que on a envie que ça recommence. Alors je dirais pas qu'on se drogue à l'interpellation, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'instinct du chasseur, effectivement. On ne peut pas, je pense, être un bon policier à la brigade anticriminalité si on n'est pas un bon chasseur. Votre parcours vous permet de découvrir alors plusieurs mondes cette fois-ci, non pas métiers, mais mondes. Alors, j'en ai retenu deux qui sont particulièrement sombres, celui de la drogue et tout autant plus encore celui des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Et là, c'est vraiment la plongée dans un monde effrayant, et surtout quand on lit les exemples que vous relatez, d'ailleurs avec beaucoup de pudeur, mais néanmoins, c'est particulièrement effrayant et sombre, c'est les deux termes que je retiens. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai suggéré donc à mon éditeur de référencer mon livre comme n'étant pas recommandé aux moins de 16 ans. Parce qu'effectivement, certaines anecdotes que je raconte, et j'essaye de le faire avec une certaine retenue, mais il faut bien malheureusement expliquer les choses. Et effectivement, c'est un voyage dans le côté le plus sombre de l'âme humaine. C'est une expérience de vie qui nécessite aussi d'avoir un mental assez fort. Et je crois que quand on fait ce métier et qu'on a été confronté à ce genre de choses, on est nécessairement impacté et on voit le monde avec un autre regard. Mmh. Ouais.
difficile de détester la police quand on voit le travail que vous menez personnellement et vos collègues dans ce type de domaine. Alors, qu'est-ce que... Vous voyez, ça me trouble, ce qui est rare, mais il y a un secteur aussi, je pensais vraiment aux exemples que vous évoquez, il y a un secteur qui est actuellement et pour longtemps encore, malheureusement, au cœur de l'actualité, c'est celui de la radicalisation islamiste. C'est la raison pour laquelle vous avez été radié, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il se trouve aussi que vous avez été un témoin qui compte, puisque vous avez reçu une formation, qualité de policier, sur la radicalisation, et puis que le 11 septembre 2001, vous étiez en patrouille. Vous avez vu ce qui pouvait se passer en France après les événements du 11 septembre qui se déroulaient bien évidemment aux États-Unis. Voilà, alors effectivement, j'ai pu assister en 2001 à des scènes de liesse dans le quartier des Minguettes suite à l'annonce des attentats contre les tours du World Trade Center. Des tags ont fleuri quelques jours plus tard avec marqué « Vive Ben Laden ». Et déjà, nous avions affaire à une population assez jeune qui se revendiquait comme étant solidaire avec ce que l'islam radical peut produire de pire, c'est-à-dire les terroristes. Et c'est curieux que vous me parliez de ça, puisque, en fait, quand on y réfléchit bien, j'ai commencé ma carrière en pleine menace islamiste, puisque donc, je suis rentré dans l'administration en 1994. 1995, c'était la vague d'attentats du GIA algérien qui frappait la France, avec Khaled Kelkal et autres. Voilà, j'en parle d'ailleurs parce que j'étais directement impliqué par... nous mettions en place des cordons de sécurité régulièrement, il y avait des alertes à la bombe systématiques, quasiment tous les jours nous intervenions sur des colis suspects et on assiste à un petit peu la même chose actuellement. Bon, il y a ce passage sur les années 2000, bon, on parlait de septembre 2001, mais j'ai été aussi révoqué en pleine menace terroriste. Donc c'est un petit peu comme si ma carrière était associée à cet aspect des choses. Et je constate, pour en avoir été le témoin, que déjà en 1995, nous étions parfaitement informés d'un certain nombre de choses concernant la menace djihadiste. Que font les services de renseignement? Ils renseignent, donc ils transmettent l'information à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre, qui, bien souvent, faisait ce qu'on appelle un classement vertical, c'est-à-dire ne prenait pas en compte la menace pour ce qu'elle était. Et on voit aujourd'hui quel est, hélas, le résultat, car les choses n'ont fait qu'empirer au fil des décennies. Alors, vous étiez passé de Seine-Saint-Denis à la région lyonnaise. Oui. Ça, il faut lire le livre, mais on a passé un peu, nous, rapidement, les événements. Et là, vous êtes l'objet d'intimidation, c'est-à-dire que, comme policier, on vous reconnaît, et on vous reconnaît dans votre vie privée, et on ne se gêne pas pour venir vous intimider. Oui, alors j'ai effectivement eu ce genre d'expérience, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les choses sont bien plus généralisées de ce point de vue-là. On a connu une période où le personnel féminin dans la police nationale devait être accompagné par un équipage pour rentrer à son domicile. Il y a une véritable menace qui pèse sur les policiers. Et donc, les agressions de policiers hors service, nourrissent les faits divers. Nous voyons bien qu'à travers ceux qui propagent cette haine anti-flic, il y a un passage à l'acte et qu'il faut prendre en considération en étant intraitable avec ceux qui incitent à la haine des policiers ou qui caricaturent la police nationale en la présentant comme étant raciste, comme étant violente. C'est très facile de susciter la haine d'une partie de la population qui est déjà violente et qui s'en prend non seulement aux forces de l'ordre, mais aussi aux sapeurs-pompiers, par exemple, dans les quartiers. Alors j'aimerais qu'on m'explique quel est le lien entre les violences commises sur les sapeurs-pompiers et la riposte à des violences policières. Ça n'a aucun sens. On peut considérer que les policiers, les pompiers n'ont pas le volet répression. Absolument pas. Les policiers, pardon. En exergue de mon propos, je parlais de la critique de la hiérarchie, et vous évoquez aussi toutes ces problématiques des affectations, tout aussi grave d'ailleurs les faiblesses intrinsèques des syndicats policiers. C'est encore là aussi amusant parce que vous avez été syndicaliste. Oui, j'étais au syndicat Alliance Police Nationale, effectivement, pendant plusieurs années. Et puis, effectivement, on peut constater qu'il y a, je dirais, un certain nombre de dysfonctionnements en interne concernant la carrière des policiers, c'est concernant joli, les dysfonctionnements, c'est joli. Les dysfonctionnements, on va dire que, en fait, c'est surtout lié à certaines injustices
par rapport à la promotion, à la mutation, par rapport au fait que... Mais c'est d'autant plus assumé qu'un certain nombre de policiers prennent leur, ce qu'on appelle leur timbre, c'est-à-dire leur adhésion au syndicat, dans l'espoir de passer devant les copains pour avoir une mutation plus rapide, etc. Donc je dirais, c'est la co-gestion dans les commissions administratives paritaires, par les syndicats et par l'administration, qui a créé ce genre de choses. Et bon, je dirais dans l'ensemble... – Vous avez été syndicaliste ? – Comment ? Est-ce que vous regrettez d'avoir été syndicaliste? Non, parce que moi, je n'étais pas détaché syndical. Proche des Républicains, on peut dire cela. Oui, on peut dire ça, oui, effectivement, on peut dire ça. On peut dire ça. Les syndicats sont politisés, mais pas seulement. Je dirais aussi qu'ils sont emprunts, comment dire, ils sont un petit peu. Allez, soyons francs, les francs-maçons sont surreprésentés dans les syndicats de police. C'est une évidence, c'est de notoriété publique, c'est documenté. Et en ce qui me concerne, j'ai moi-même été approché lorsque j'étais syndicaliste. Je n'étais pas détaché syndical, mais si j'avais voulu être détaché syndical, en gros, le deal, c'était qu'il fallait que je rentre dans une loge. Et ça ne m'intéressait absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mes déboires, le délégué syndical qui m'a défendu en fait au conseil de discipline, lors du premier conseil de discipline devant lequel j'ai comparu, m'a suggéré de faire appel à une loge pour pouvoir me tirer d'affaire. Donc ce qui veut dire que la franc-maçonnerie au sein des syndicats est tout à fait capable de, je dirais, tirer d'affaire un fonctionnaire de police qui sera impliqué dans une procédure disciplinaire, mais aussi l'inverse. Ah, c'est marrant parce qu'il y a Frédéric Ploquin, qui est un journaliste d'investigation, a publié il y a quelques jours, en même temps que vous d'ailleurs, un livre qui s'intitule « Les réseaux secrets de la police » que j'ai parcouru. Et lui, il met un nom sur les mots de la police. Il dit que c'est cette contre-hiérarchie, dit-il, une hiérarchie parallèle qui est la franc-maçonnerie. Il dit 2 commissaires sur 3, 1 officier sur 2. Est-ce que vous considérez qu'ils sont capables de faire la pluie et le beau temps, finalement? C'est ce que vous me dites. Oui, exactement. Et ça pose un certain nombre de problèmes aussi, parce que lorsqu'on considère que appartenir à une loge maçonnique fait de ses membres des frères. Imaginez que se passe-t-il lorsque le directeur départemental de la sécurité publique fait partie de la même loge que le procureur de la République. Donc il fait partie aussi peut-être de la même loge qu'un magistrat du siège. Donc ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à la séparation des pouvoirs, par rapport à un certain nombre de dossiers qu'on appelle dans notre jargon des dossiers de loge, hein, c'est-à-dire qu'ils sont traités en dehors des tribunaux, et les tribunaux sont juste là pour valider une décision qui a été prise dans le plus grand secret entre interlocuteurs qui font partie d'une organisation dont je ne sais pas pourquoi elle entend se cacher. Ou avoir ce pouvoir. Bon, aujourd'hui vous avez refait votre vie. Oui. Est-ce que vous regrettez votre métier de policier? Ou vous dites que vous avez échappé à tout cela, au dénigrement, aux syndicalistes dévoyés, au manque de moyens, au suicide? Vous avez évoqué les chiffres qui touchent tant de gardiens de la paix, de policiers. Quel est votre sentiment, rétrospectivement, 10 ans plus tard? C'est curieux la manière dont vous présentez les choses, parce que, en ce qui me concerne, bon, d'abord, je n'ai pas l'habitude de regretter les choses. Hein. Moi, je n'échoue pas, j'apprends. Et donc, par conséquent, tout ce qui m'est arrivé de ces 10 dernières années m'a permis d'évoluer et de devenir l'homme que je suis. Mais je reste le même au fond de moi. Et je ne regrette pas d'avoir été policier, puisque je me sens encore policier. Et je pense que ça peut être un peu difficile à comprendre, mais si vous posez la question à la plupart de mes anciens collègues, je pense qu'on l'est toute sa vie. Je vous ai connu, cette injustice qui vous avait été faite, elle vous pesait bien évidemment, vous battiez pour que vos droits soient reconnus, pour revenir dans la police. Ces portes, elles se sont définitivement fermées. Absolument. Mais pas dans votre esprit, j'ai l'impression. C'est plus, je dirais, le regard que j'ai sur les choses et le sentiment d'appartenance qui est le mien, et puis la volonté de continuer à défendre cette profession qui mérite de l'être, car elle est trop caricaturée, encore une fois, et c'est pas parce qu'il y a des problèmes en interne, qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, flic, le plus beau métier du monde. On demande qu'à vous croire, tout au moins en lisant cet ouvrage, édité Riposte laïque et en vente, je vous l'ai dit, sur le site tvl.fr. Merci Sébastien Jalamur d'avoir défendu cet ouvrage avec talent. Merci.